Bonjour à tous, voici les bulletins de ce samedi 23 août en début de matinée. Les conditions météorologiques resteront encore assez agitées sur la moitié nord avec quelques précipitations en marge d'une dépression centrée sur la Scandinavie et puis on gardera un temps assez sec grâce à une dorsale anticyclonique sur la moitié sud avec des conditions plutôt bien ensoleillées. Sur votre carte des précipitations, on retrouve justement ces ondées qui devraient intéresser la moitié nord mais resteront plutôt assez discrètes dans l'ensemble. De soleil sur les régions du sud. En tout cas, pour ce matin, pas mal de nuages sur les régions proches de la Méditerranée avec quelques ondées. Partout ailleurs, c'est le soleil qui s'imposera. Pour les températures du petit matin, c'est fraîche au lever du jour, seulement 9 degrés sur Lille, 9 sur Amiens, 11 dans Paris, 12 au pied des Pyrénées, 16 du côté de Montpellier, 18 pour Marseille. Pour votre après-midi, on va conserver encore des nuages porteurs d'averse sur bon nombre de régions. Vous noterez que le soleil restera assez présent sur l'extrême sud-est, mais également sur la Normandie. Pour les températures de l'après-midi, toujours inférieures au normal de saison, 21 dans la capitale, 23 au pied des Pyrénées, 26 à 27 près de la Méditerranée, 22 à 24 pour la Corse, 19 pour la Bretagne. Pour demain matin, retour d'un temps sec sur l'ensemble de l'Hexagone grâce à une crête anticyclonique qui englobera l'ensemble du pays. Donc on aura un temps calme et assez bien ensoleillé, surtout sur la façade est. En ce qui concerne les températures un peu fraîches au lever du jour, seulement 6 degrés sur Strasbourg, 9 sur Amiens, 11 sur la Bretagne, 10 à 13 au pied des Pyrénées, 15 à 17 près de la Méditerranée. Pour votre après-midi, on va conserver la même configuration, toujours autant de soleil sur la plupart de nos régions, et puis des nuages un peu plus nombreux qui pourront lâcher quelques ondées, essentiellement sur la Normandie. Pour les températures de l'après-midi, toujours dignes d'un mois de mai, on n'aura pas plus de 20 degrés sur 22 dans la région parisienne, un peu plus de chaleur sur les Pyrénées avec 27 degrés sur Biarritz, 24 à 26 sur Montpellier. Revenons sur votre tendance, on regardera pas mal d'averses jusqu'à jeudi et puis retour des hautes pressions à partir de vendredi, amenant moins d'averses et surtout du soleil et puis les températures qui commenceront à remonter. On devrait dépasser aisément la barre des 25 degrés sur bon nombre de régions. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 août, nous fêterons les roses, le soleil se lèvera à 6h56 et il se couchera à 20h52. À demain.